J'espère que vous êtes tranquillement installé, bien installé. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, j'espère que vous officiellement, bon, on a entendu le maître Tutorian, on regrette, parce qu'on a quand même bien diffusé la formation, à plusieurs reprises. La formation est diffusée par le biais des emails, par le biais de la présentation officielle, par le biais de SMS, et donc, bien aimé nos interventions de ce soir. C'est pas vraiment un peu plus important parce que c'est vrai qu'on a vraiment des choses importantes à dire. Donc, je vous demandais une minute de silence. Pardon, Almena. Je voudrais associer cette minute de silence. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait une minute de silence, un copain qui était mort, là, Bernard. Certains d'entre vous le connaissez. Hélas, c'est son frère qui est venu plusieurs fois à nos réunions aussi. Je t'ai présenté aussi une reprise de devenir à la dernière réunion. Il n'a pas pu venir, justement, parce qu'il était en train de nous quitter. Voilà, donc je voudrais associer la dernière minute de silence aussi au frère à Bernard, qui nous a quittés. Et c'était un monsieur aussi de l'ombre, puisqu'il allait au Sénat, il allait à Guala, il n'a pas pu monter, mais il se déplaçait souvent, sans jamais se montrer. Il était toujours actif. Et il faut qu'on continue le combat pour ces gens-là aussi, qui ne sont plus là. Merci. Merci à vous. Donc, effectivement, je souhaitais, alors, bien entendu, je souhaitais adresser mes remerciements au père David Zahakian, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, toujours à M. Mario Chabadian, président de la compagnie d'Armenard, le secrétaire de Conflux, M. Robert Abiladian, qui est toujours président du conseil paroissial de la cathédrale arménienne, à M. Patrick Delmadian, qui nous a donc envoyé ce stade, et puis donc à mesdames et messieurs des responsables de l'association, s'ils sont aujourd'hui avec nous. Je voudrais aussi renouveler mes remerciements pour nous avoir honorés de leur soutien et de leur intervention. J'en parle particulièrement parce que lorsqu'on relit le débat préliminaire du Sénat, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu des interventions très importantes. Alors, M. Patrick Ollier, qui est ministre, M. Jean-Claude Gaudin, sénateur de Marseille, Mme Isabelle Paquet, sénateur, M. Jean-Noël Guérini, M. Serge André Ollier, M. Bruno Gilles, Mme Sophie Boissin, M. Roman Pogliani, M. Roger Carducci, M. Philippe Capelbach, M. Hervé Marseille, M. Luc Darbounach, Mme Nicole Morveau pour MCAT et M. Bernard Piras, qui sont tous sénateurs et qui ont eu des interventions relativement importantes concernant en particulier la question du génocide de l'armée. Et bien entendu, je voudrais remercier aussi particulièrement les députés qui sont souvent avec nous dans les différents travaux qui ont été menés, qui nous ont appuyés et qu'on
Monsieur Michel Gaudel, Monsieur Denis Dion et Monsieur Jean Boata, ainsi que tous les députés qui ont participé à l'adoption de la proposition de loi du 29 décembre 2011. Alors effectivement, depuis le 29 décembre, c'est passé beaucoup de choses, puisque nous avons eu au courant une loi qui a été adoptée par le Sénat le 23 janvier. Alors, simple précision, la loi qui a été adoptée par le Sénat pour l'adoption sur 237 votants, 127 pour. Donc, c'est quand même un nombre non négligeable. C'est d'autant plus non négligeable que c'est étonnant qu'ensuite, il y a eu plus de 60, on va dire, mandats pour transmettre la saisine au Conseil constitutionnel. Donc, effectivement, c'est une mécanique assez particulière, puisque vous avez le Parlement, qui, quand même, dans sa grande majorité, a voté une loi. Vous avez le Sénat, qui aussi, dans sa très grande majorité, est présent, a voté une loi. Et, nouvelle mécanique, ceux qui se sont soit abstenus, soit ont voté contre dans les deux hémicycles, ont la possibilité de transmettre une saisine au Conseil constitutionnel après le passage, justement, à travers tous ces hémicycles. Alors, concernant la loi Boyer-Grigoriand, donc, il crie son nom au génocide des nations autochtones. Article 1er de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse, répression de l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publique des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, répression de la contestation ou de la minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi, dont le génocide des armées. Donc, en quoi consiste exactement, en deux mots, je voudrais vous en parler, en quoi consiste exactement la question de la protestation ou de la minimisation de façon outrancière. Donc, à savoir, sur la base de la loi du 29 janvier 2001, petit rappel de la loi, la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Conformément à la base déclarative du Conseil national arménien, suivant le Conseil national d'Arménie occidentale, déclare que son peuple a été victime d'un génocide de 1894 à 1923, perpétré par les gouvernements successifs turcs en Arménie occidentale. Donc, à ce titre, je voulais quand même vous montrer une carte, parce que cette carte, d'abord, il faut savoir que personne ne l'a jamais montrée, donc c'est important de le dire, aucun historien. On parle souvent que les historiens doivent faire certaines recherches. Et il se trouve que cette carte, personne ne l'a jamais montrée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous la montre. Lorsqu'on parle du génocide des Arméniens, on parle, on est d'accord, d'un plan de destruction d'une population homogène, d'un plan de destruction de façon systématique, d'une population homogène. Il se trouve que cette carte a été... Alors, il faut savoir où je l'ai retrouvée. Il y a une personne extraordinaire, monsieur Élisée Rotnik, qui fait des études, qui a fait des recherches, qui a fait des voyages et des déplacements, et qui, à chaque fois qu'il écrit un livre, son livre faisait 900 pages. Alors, imaginez, il en a écrit des dizaines et des dizaines. On a retrouvé cette carte qui explique, en fait, la situation de la destruction des Arméniens en Arménie occidentale durant la période d'Abdoulaye. Donc, on est bien avant 1915. Donc, lorsqu'on dit que le génocide des Arméniens a commencé en 1915, il faudra faire très attention à cette terminologie par la suite. Ici, on voit, c'est exactement noté les mois et les lieux où il y a eu donc la destruction des populations. Alors bien entendu, on a d'autres éléments. On a
livre jaune. Le livre jaune des affaires arméniennes, qui décrit pratiquement jour par jour les événements qui sont produits en Arménie occidentale. On a aussi le martyrologue qui a été écrit, qui explique exactement comment s'est déroulée la destruction des Arméniens. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Lorsqu'on voit qu'un ministre turc du gouvernement d'Abdulhamid nous répète que la meilleure façon de régler la question arménienne est de supprimer les Arméniens eux-mêmes, lorsqu'on parle comme cela, c'est la définition même du génocide. Et il se trouve que au moment, lors du débat général au Sénat, certains sénateurs ont rappelé ces événements. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle pour information aujourd'hui. J'insiste en disant qu'après cela, des historiens, y compris arméniens, prétendent que la destruction des Arméniens par Abdulhamid II n'est pas un génocide. Souvent, la réponse que j'ai obtenue, c'est « mais on n'a pas eu le temps d'étudier cette période. » Je vous demanderai de faire très attention, parce que si un siècle ne suffit pas pour nous, pour étudier notre propre histoire, on dépasse donc à certains problèmes. Alors, souvent, Maître Picoyon me dit, il a raison de le dire, il faut dénoncer aussi les gens qui mettent des bâtons de l'œuvre dans nos roues pour nous empêcher de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir avec le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il y a, bon, vous savez très bien, nous, aucune sens. Maître Picoyon voit de ses propres yeux que cette sensualité. Mais nous sommes quand même en France. Lorsqu'on parle de droit, de liberté d'expression, on parle aussi de liberté d'expliquer les pièces, parce que c'est l'histoire factuelle, c'est-à-dire que ce sont des faits. Ce sont des faits qu'on vous montre. Et ces pièces-là qu'on vous montre, on est quand même en droit, au minimum, de vous les expliquer. Et on nous dit non, il existe presque une histoire, on va dire, officielle du génocide, et il faut s'en tenir, c'est-à-dire 1915. Eh bien, moi, je ne m'en tiens très pas. Je continue. Il y a une déclaration, et cette déclaration, c'est la base, non seulement, et le maître Victorian en prend compte aussi dans son mémoire, c'est la base non seulement de la déclaration du Conseil national arménien, mais c'est aussi la base de la reconnaissance du génocide. C'est là. Déclaration elle-même relative à la déclaration de la Triple Entente du 24 mai 1915. Déclaration que j'ai retrouvée de la même façon que je viens de vous présenter cette carte. De la même façon. Il y a beaucoup trop de lumière. C'était bien comme c'était. Alors, c'était plus intime. Cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit? Et en deux mots, hein, le 24 mai 1915. Il faut savoir qu'en réalité, la période de 1915-1918, le génocide n'a pas commencé en 1915, parce que déjà en janvier 1915, des massacres avaient lieu donc au Togo. Et là, c'est important parce qu'on s'aperçoit, et plus on rentre dans notre investigation, au niveau de l'histoire et au niveau de base que l'on a, on s'aperçoit que chaque mot a son importance. Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie procède de connivence et souvent avec l'aide des autorités ottomanes à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril, nouveau style, à Erzurum, Belchum, Egim, Agen, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeytoun et dans toute la Cilicie. Les habitants d'une centaine de villages aux environs de Van ont été tous assassinés. Dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman, donc on cite le gouvernement, sévit contre la population arménienne inoffensive. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, on parle de nouveaux crimes, et j'insiste encore sur ce terme, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sultanat, qui tiendront personnellement responsable des crimes, tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ses agents, se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. Et les massacres se font poursuivre. Alors,
devant n'importe quelle intervention, même des interventions d'ordre politique. Et là, vous allez voir nos politiques, qu'ils soient députés ou sénateurs, ont besoin de ces éléments d'histoire pour défendre la pénalisation du génocide, de la négation du génocide. Mais ces éléments d'histoire, qui leur apportent? Il faut bien leur apporter, il faut bien leur donner les outils pour pouvoir faire ce travail. Eh bien, moi, je ne connais pas beaucoup de chercheurs qui ont fait surgir, mis en avant tous ces éléments dans le détail pour que demain, pour que hier, cette fois-ci, les sénateurs défendent la pénétration de la négation du génocide. Je vous, parce que personne n'en parle aussi, je vais vous montrer une autre chose. Alors, quand je dis personne n'en parle, j'abuse un petit peu. Personne ne vous l'a montré. Et pourtant, je vous la montre. Hein? C'est la réaction d'Adolf Hitler le 22 août 1939, qui se souvient de l'extermination, de l'annihilation, de la destruction des Arméniens. Donc, c'est bien précisé, c'est bien inscrit sur le mémorial de l'Holocauste aux États-Unis. Je vous prends aussi une autre intervention, c'est celle de Raphaël Lemkin, parce que tout le monde parle de Raphaël Lemkin, mais dans quel contexte il a parlé exactement des Arméniens? Les dirigeants nazis avaient montré sans embâche leur intention de détruire les Polonais et les Russes, d'éliminer démographiquement et culturellement l'élément français, alsacien, lorrain, l'élément slovène de la Carniole et de la Carinthie. Ils ont été très près d'atteindre leur but quant à l'extermination des Juifs et des Tsiganes en Europe. Il est clair que l'expérience allemande est la plus manifeste, la plus délibérée, et qu'elle a été poussée le plus loin. Cependant, l'histoire nous fournit d'autres exemples de destruction de groupes nationaux, ethniques et religieux. Citons pour illustrer cette assertion la destruction de Carthage, celle de groupes religieux au cours des guerres islamiques et pendant les croisades, les massacres des Albigeois et des Waldemar. Et plus près de nous encore, celui des Arméniens, professeur Raphaël Lemkin. Qu'est-ce que j'en pense? L'histoire factuelle doit être respectée par les historiens eux-mêmes. Sinon, ils entachent non seulement la moralité de leur science, mais aussi créent le doute sur l'impartialité de leur analyse au gré d'intérêts du moment. La hiérarchisation des génocides par certains historiens en est un exemple, la mémoire en prend un coup. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'aperçoit qu'il existe des organisations d'historiens qui, justement, aujourd'hui, frappent sans arrêt la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens, on est en droit aujourd'hui de se poser la question de l'impartialité de ces historiens. Je ne vais pas revenir particulièrement sur la définition du génocide, mais en résumé, article 2 de cette convention, le génocide est un acte commis dans l'intention de détruire en tout et en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. E. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. La convention précise aussi qu'il est indifférent que ces actes soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Les cinq aspects de la question arménienne, on les résume de cette façon. Premièrement,
la destruction physique, intentionnelle et systématique des Arméniens de l'Arménie occidentale et de leur descendance. Deuxièmement, la spoliation de leurs terres, territoires et ressources. Troisièmement, la confiscation de leurs biens matériels, immatériels et spirituels. Quatrièmement, la négation de l'existence des Arméniens de l'Arménie occidentale, la négation de leurs droits, de leur histoire et la négation du génocide des Arméniens. Cinquièmement, un autre aspect du génocide des Arméniens vient de faire son apparition depuis peu et qui se trouve devant nous aujourd'hui, la falsification, l'élimination, le retraitement ou la révision, si possible, de tout fait historique précis, reconnu par une convention internationale ou par une juridiction nationale ou internationale, au terme de débats contradictoires. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il se trouve que pour certains, le fait que la chose n'a pas été jugée par un tribunal international serait donc un prétexte à la mise en cause de des nouvelles lois qui ont été adoptées dernièrement. Eh bien, je ne vais pas refaire, toute l'histoire, évidemment. Mais la chose jugée, alors je vais vous en parler deux minutes, parce qu'il se trouve que les Arméniens, ont toujours voulu que la chose soit jugée. Ils n'ont jamais été contre que la chose soit jugée. Et il se trouve que, par exemple, l'idée de mettre en place une commission d'historiens par le gouvernement turc ne répond pas à notre demande, puisque le cadre décidé par le Conseil national arménien restera un cadre juridique conformément à l'application des articles suivants du traité de Sèvres, remis au gouvernement turc le 11 mai 1920. L'article, il est clair, article 230, tous ces documents, vous les aurez. Le gouvernement ottoman s'engage à livrer aux puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l'état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant au 1er août 1914 partie de l'Empire ottoman. Donc, on ne parle pas de 1915, là. On prend la date du 1er août 1914. Les puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le gouvernement ottoman s'engage à reconnaître ce tribunal. Dans le cas où la Société des Nations aurait constitué en temps utile un tribunal compétent pour juger les massacres, les puissances alliées se réservent le droit de déférer les lits accusés, devant ce tribunal, et le gouvernement ottoman s'engage également à reconnaître ce tribunal. Donc, qui est responsable du fait qu'il n'y a pas eu ce tribunal? Les Arméniens? Non. Ce sont donc les puissances qui aujourd'hui prennent en compte, traitent le problème, qui n'ont pas été au bout du processus juridique. Le peuple arménien est victime et restera victime. Il ne peut à aucun moment être mis en cause dans le fait qu'il n'y a pas eu de tribunal international. Il y a eu des tribunaux nationaux, tribunal contre les jeunes Turcs, en 1919. Mais, puisque le traité de Sèvres nous permettait d'aller encore plus loin, et de régler définitivement le problème, eh bien, les puissances alliées, qui aujourd'hui sont mises en cause, n'ont pas été au bout de leur engagement. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Lorsque la France, par le Parlement et par le Sénat, adopte une loi sur la négation, contre la négation, pour la pénalisation contre l'allégation du génocide des Arméniens, ça permet aux Arméniens d'avoir un outil juridique par rapport à l'État qui a fait cette adoption. Et aujourd'hui, on voudrait nous enlever cette victoire. Victoire qui, quand même,
ne vais pas refaire tout l'historique. Victoire qui a été construite au fur et à mesure, sur un peu plus d'une année, à partir du moment où on a commencé à utiliser le droit européen et maître Victorien va pouvoir donc tout à l'heure vous expliquer davantage les conséquences. Et qui connaissait exactement? On peut poser la question. On est en droit de le faire. Qui connaissait la décision cadre de novembre 2000? Si ce n'est que des experts, des gens qui travaillent tous les jours sur cette question, il faut quand même remettre les choses à leur place. On ne peut pas se passer des experts. On n'est pas dans un acte seulement politique où par des mouvements ou, on va dire, en essayant de discuter avec soit des parlementaires, soit des sénateurs, on essaye de négocier des choses. On n'est pas dans ce cadre-là. On doit sortir de ce cadre-là. Ce sont des experts, des juristes, qui nous permettent à nous d'utiliser les outils juridiques et non pas les traitements ou, on va dire, les arrangements. Monsieur Maître Victorien, peut-être ce sera pas mon avis, mais la reconnaissance du génocide arménien de 2001, on s'aperçoit que ça aurait fait l'objet d'un arrangement. Du coup, le Conseil constitutionnel considère comme ça, sans qu'ils aient traité la question, comme la procédure doit le permettre, que cette reconnaissance serait non normative ou n'aurait pas les qualités d'une loi au même titre que les autres lois. Pourquoi? Comment se fait-il que psychologiquement ils en soient venus à ce niveau? Sans avoir traité comme ils font actuellement pour la loi Boyer, sans avoir été saisi. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui se sont produites et qui ne correspondent pas vraiment à une bonne procédure. Et, par contre, je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Madame Sophie Joissons. Parce qu'elle a dit des choses, d'abord, j'ai l'impression très nettement qu'elle s'est inspirée de certains de mes travaux, et par certains plaisirs. Et puis, elle a dit des choses quand même importantes, relativement, donc, elle a repris le texte du Parlement européen pour dénoncer aussi le fait que, et pour l'exprimer, le fait que dans la résolution du Parlement européen, les Arméniens n'auraient aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui. Pourtant, vous imaginez les mouvements de la Turquie d'aujourd'hui. Si on n'avait donc aucune revendication vis-à-vis d'elle, elle serait peut-être beaucoup plus calme. Je voudrais revenir aussi sur ce que disait Mme Joissin sur sa seconde intervention. Donc, la présente proposition de loi vise à rendre effectif ce texte de 2001. En effet, la loi de 2001 n'a pas pour fonction d'être purement déclarative. Donc, elle rentre là dans ce que nous avançons, mais d'imposer le respect des normes qu'elles édictent et corrélativement de sanctionner leur irrespect. Donc, on est au Sénat, hein, on est dans un cadre officiel et on parle de du génocide des normes. Or, seule la négation de la Shoah est pénalement requise. La présente proposition de loi vise donc à combler la lacune du droit pénal, en incriminant le négationnisme de tous les génocides reconnus comme tels par la loi française, sans en mentionner aucun expressément. Dans cet esprit, ce texte se présente comme une extension de la loi Gosseau à tous les génocides reconnus par la loi. Il n'est pas une transposition de la décision 4 de 2008 du Conseil de l'Union européenne, il fera l'objet d'un projet de loi ultérieur. Là, j'ai pas bien saisi la nuance.
Alors, troisième intervention. En l'espèce, il s'agit d'harmoniser la loi pour traiter de manière identique les massacres portant la qualification de génocide. En quelque sorte, une nouvelle fois, l'extension de la loi de Dieu. Chose importante, et la cité. Des publications concernant ces procès, les procès donc, des jeunes Turcs, parurent dans la presse turque et arménienne de l'époque. Les documents réunis pour les instances et annexes au verdict ont largement contribué à la reconnaissance du génocide des Arméniens. Il y a donc eu un premier jugement émis par une autorité judiciaire turque de surcroît. Le procès des unionistes fut suivi en 1920 d'un traité qui n'a malheureusement jamais été ratifié par l'ensemble de ses signataires, le traité de Sèvres, qui donnait l'indépendance à l'Arménie. Donc, on est quand même dans un hémicycle national. Souvent, on vous le répète que la France est la cinquième puissance mondiale, mais quand même, il y a eu des interventions relativement fortes par rapport donc, à ce qu'on attendait de nos sénateurs. Pour finir, Jean-Luc Warsmann a introduit dans la présente proposition de loi les termes minimisation outrancière dans le but de protéger la communauté scientifique dans ses recherches. Je fais confiance aux tribunaux pour le qualifier d'outrancier qu'un travail partial, dénué de sérieux ou au service d'une idéologie quelconque. Et quand on entend aujourd'hui les historiens donc, français qui traitent de la question du génocide des Arméniens, cette impartialité, pour moi, n'existe pas. Reste la question qui fâche. Comment une nation autochtone qui a subi un génocide, c'est-à-dire vous, en tant que survivant, parce que, en fait, on dit souvent que vous êtes les descendants, les rescapés du génocide, et vous êtes les survivants du génocide. Je vous demande de faire de très attention, parce que dans le mot survivant, il y a une part de responsabilité par rapport au présent. Ce qui fait peur, donc, n'aurait droit à aucune réparation. Ce qui fait peur, et j'insiste, ce n'est donc pas seulement de reconnaître le crime de génocide des Arméniens. Ce qui fait peur, ce sont les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits à réparation territoriale relativement aux sentences déjà prononcées qui impliquent la reconnaissance d'un crime de génocide par l'État qui en demeure, qui implique le sang versé par des millions d'innocents. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours autant de controverses et de comportements violents. J'insiste et je vous demande d'y réfléchir. Le crime de génocide d'un peuple autochtone n'est pas monnayable. Les réparations ne se traduisent pas en termes d'argent. L'argent ne répare pas. L'argent indemnise les survivants. Très important parce que il y a des gens qui actuellement sont en train de préparer des dossiers sur les réparations. Mais à partir du moment où eux, ils parlent de réparation, ils parlent d'une certaine somme d'argent. J'aimerais que vous soyez les porte-parole de notre analyse aujourd'hui. On ne peut pas réparer le génocide des Arméniens par une somme d'argent quelconque. On a déjà vu ce qui s'est passé avec les assurances-vie. Ça va quand même pas recommencer par rapport au crime de génocide dont on est les survivants. Ce n'est pas une question ici de revendiquer un territoire qu'on vous a volé. Il n'y a rien d'extrémiste. Pas d'extrémisme. C'est du droit. On vous a spolié vos territoires. On vous a volé vos biens matériels, immatériels. La moindre des choses, c'est d'appliquer les sentences qui ont déjà été décidées.
n'est pas en termes d'argent que ça se résout. Les indemnisations, c'est autre chose. Vous faites partie d'un peuple qui a plus de 5000 ans. Vous avez plus de 5000 ans. Chacun d'entre vous. Ce n'est pas avec l'argent que vous pourrez réparer ce que le peuple arménien. Je souligne qu'actuellement, la question des droits à réparation vis-à-vis du crime de génocide subi par notre peuple n'est pas la question du jour. Nous parlons seulement de la pénalisation de sa médiation. Conséquence du fait que la sanction réparatrice concernant le génocide arménien n'a pas encore fait l'objet d'une application territoriale. Oui, parce que nous, actuellement, puisqu'on n'a pas eu l'application des sentences qui devaient avoir lieu, bien, actuellement, pour conséquence, bah, on se défend avec les moyens qu'on a et avec les droits qui existent autant pour nous que pour tout le monde. J'insiste en disant encore, et c'est là une chose importante que je souhaitais partager avec vous, que certaines institutions, et là je parle d'institutions même arméniennes, ont voulu et veulent encore nous maintenir dans le cadre d'une reconnaissance dite politique du génocide des Arméniens. Au fil d'enjeux politiques, au fil de confrontations d'opinions, d'idées, de points de vue, de joutes verbales sur le sang de nos martyrs. Et pas toujours de bonne foi, comme je l'ai démontré plusieurs reprises, ni l'étude approfondie des sources, ni la confrontation des documents. Je vous montre des documents, c'est pas à moi normalement de vous les montrer, je suis un des historiens. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup entendus, les historiens. Avec la transposition donc de la mission 4, nous voulons sortir de cette instrumentalisation politique de la souffrance de nos ancêtres, notre peuple, comme vous le voyez bien, et nous avançons dans ce que nous, dans ce qui représente une juste reconnaissance juridique malgré la volonté de nos détracteurs. Parce qu'effectivement, il se trouve qu'il y a donc des détracteurs, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas encore qu'on applique nos droits. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas. Ce sera pour défendre nos acquis sur la reconnaissance du génocide des Arméniens et sur la pénalisation de la négation des génocides reconnus par la loi française, par le Parlement français et par le Sénat, que le Conseil national et l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale ont non seulement pris la décision de donner mandat à maître Philippe Corian de saisine du Conseil constitutionnel, mais ils ont aussi appelé tous les combattants des droits de l'homme en France à faire la même chose, ce qui a permis de réunir en une seule journée plus de 80 mandants. C'est donc avec un grand honneur pour nous tous et pour l'ensemble de notre Conseil national de travailler avec maître Philippe Tricorion, qui a fait l'objet, et là j'insiste, imaginez, en plein mandat, en pleine procédure, qui a fait l'objet d'intimidation au moment même où il préparait la requête à destination du Conseil constitutionnel. Et là, ce n'est pas les Turcs, ce ne sont pas les Turcs qui ont cherché à intimider, maître Philippe Tricorion. Alors vous imaginez dans quelle situation on se trouve. On a ici, c'est actuel, c'est réel. C'est-à-dire qu'on entame une procédure pour protéger les acquis par rapport à la reconnaissance et par rapport à la transposition de la loi 4, de la décision 4, et on cherche à intimider maître Philippe Tricorion par rapport à ce travail. Personne n'arrivera à nous intimider. Personne. J'ai l'impression que les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Il faut quand même prendre en considération, et je l'ai dit à l'ONU, je l'ai dit devant la Turquie, je l'ai dit devant tout le monde,
je suis un miraculé. Et 100 ans après, je viens devant vous au sein même de l'ONU, dans le cadre d'une assemblée générale, vous présenter mes doléances, vous présenter nos revendications. Il n'y a rien qui peut nous impliquer. C'est n'importe quoi. Je dénonce en public cette méthode grossière qui a pour but de saboter l'application des droits des survivants. Je trouve cette façon de faire intolérable. Je vais donc transmettre sans plus tarder la parole à Maître Philippe Victorian pour lui permettre donc, de développer, d'approfondir la situation. Merci, Monsieur le Président, de l'exposé clair et évident. Je crois que c'est effectivement nécessaire dans cette situation que nous vivons actuellement de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que M. Aparian n'a fait que traduire la réalité des faits. Alors, si vous permettez, un petit rappel chronologique. Nous parlons aujourd'hui principalement du problème qui est devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la loi, vous voyez, du 23 janvier 2012, votée définitivement par le Parlement, 23 janvier 2012. Cette loi est un acte de transposition, contrairement à ce qu'on peut dire, je pense que ça, je pense que ça s'est pas fait, puisque tout est parti d'ailleurs de cette salle. 29 juin 2011. On me demande de venir présenter mes travaux devant le CCR. Bon, j'accepte. La veille, je venais de saisir le Conseil d'État d'une procédure qui tend précisément à la transposition de la décision 4 de la loi 2018. Laquelle décision cadre rend obligatoire sur le territoire de l'Union européenne, donc les 27 États membres, de traiter le négationnisme par droit pénal. Cette décision cadre est une norme de l'Union européenne. Ce n'est pas un acte politique, ce n'est pas une résolution. C'est une norme, une loi cadre, si on veut. D'autre part, les États membres sont obligés de transposer, c'est-à-dire sont obligés de prendre cet acquis juridique et de l'incorporer dans leur législation respective. Ils ont donc une obligation de résultat. On les laisse libres simplement sur les moyens d'atteindre ce but. Si il faut traiter par loi, il faut légiférer. Si en revanche un décret suffit, c'est l'affaire du Premier ministre. Comment il s'agit de droit pénal, en France, le droit pénal relève exclusivement de la compétence du Parlement, donc il faut une loi. Et c'est pour cette raison que depuis le 24 avril 2009, j'ai alerté, j'ai informé la communauté arménienne, les médias, de l'existence de cette décision cadre en disant la France a 2 ans comme les États, d'autres États membres pour transposer, c'est pas la peine d'attendre les 2 ans. Si on peut transposer avant, faisons-le. Bon, personne jusque-là n'avait réagi. En décembre 2010, je commence à lancer des mandats pour saisir le Conseil d'État de cette demande de transposition et le temps de réunir suffisamment de mandats. Je saisis en mai 2011 le Premier ministre, je lui demande de transposer, puisque c'est son obligation, le délai de 2 ans est venu dans l'expiration du 28 novembre 2010, 6 mois auparavant. Le Premier ministre ne répond pas, et je saisis de ce refus implicite le Conseil d'État en lui demandant de poser au préalable la question préjudicielle
de la validité du paragraphe 4 de la décision 4, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon. Donc, c'est sur ces travaux, puisque madame Rivoyer était présente dans la salle de la présidence, que celle-ci a déposé le 18 octobre 2011 une proposition de loi qui d'ailleurs était assez fidèle à celle que j'avais présentée en avril 2009. En revanche, la commission des lois de l'Assemblée nationale, 7 décembre 2011, a quelque peu modifié le texte. Je n'ai accepté de soutenir, c'est pour ça que je continue à revendiquer la paternité de ce texte, que parce que le texte tel qu'il a été adopté par la commission des lois, et dont Mme Boyer a fait le rapport devant l'Assemblée nationale en décembre, retenait comme critère d'identification du site la loi. Donc, nous étions protégés. Sans quoi, bien évidemment, j'aurais refusé ce texte. Il ne pouvait pas être un texte de transposition. En retenant cette écriture, on peut quand même considérer que c'est une transposition partielle, c'est vrai, mais une transposition quand même de la décision K. Donc, avec cette proposition de loi, nous permettons à la France de s'acquitter d'une certaine mesure, d'une certaine façon, de son obligation constitutionnelle de transposer, puisque la transposition est une obligation droit de l'Union et aussi une obligation constitutionnelle. Donc tout de suite, ça fait poser la question de savoir comment une loi qui ne fait que permettre à l'État de s'acquitter d'une obligation constitutionnelle pourrait être inconstitutionnelle. C'est déjà absurde. C'est tellement absurde que le Conseil constitutionnel lui-même, dans sa jurisprudence, s'auto-limite dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité qui est sa fonction première. Ce qu'il dit, en parlant des directives, c'est à peu près similaire aux décisions cadres, que lorsqu'il est saisi d'une loi en cause de directive, il est tenu par deux seuils. Le premier seuil, c'est de vérifier si la loi, donc en fait la directive, ne méconnaît pas des règles et principes qui seraient, porteraient atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Imaginons par exemple une atteinte au principe de laïcité. Et le deuxième seuil, c'est, et c'est là où la limite est plus importante, le Conseil constitutionnel s'interdit de contrôler la constitutionnalité des lois de transposition. Sauf si, manifestement, elle est incompatible avec la directive ou la décision. Donc, dans tous les cas où la loi de transposition, même si elle est partielle, n'est pas manifestement incompatible avec la décision cadre, eh bien, dans tous ces cas, autre que donc, l'existence manifeste de l'incompatibilité, le Conseil ne comprend pas. Donc ça permet de comprendre l'intérêt qu'il y a à bien qualifier les textes qui vont être déférés au Conseil constitutionnel. Parce que vous avez bien compris que lorsqu'il s'agit de loi de transposition, c'est le cas, nous sommes bien passés ici pour le savoir, le contrôle n'est pas le même que lorsqu'il s'agit d'une loi va intervenir en dehors du champ d'application du droit de l'Union européenne. Premier point, donc, savoir d'ores et déjà que l'exercice du contrôle du Conseil constitutionnel est limité dans ce cas. Or, en évidence, je viens de dire, une loi telle que fait la loi du 23 janvier 2012, qui va permettre d'appliquer la règle décidée en amont par le Conseil de l'Union, c'est-à-dire traité par le droit pénal négationniste, en donnant un critère d'identification du génocide, elle n'est pas incompatible, elle n'est pas en tout cas manifestement incompatible avec la décision cadre. Donc sur le fond, nous n'avons dans le principe rien à craindre d'un contrôle de constitutionnalité. Au contraire, ça nous aurait permis de valider définitivement cette loi et même d'échapper à d'éventuels PC.
question, alors, pourquoi cette fameuse requête en régulation? C'est que tout ce que je viens d'expliquer est vrai lorsque nous avons affaire à un juge. Et un juge, par définition, c'est un juge impartial. Parce qu'un juge partial, un juge qui a déjà des positions, un juge qui est orienté, n'est pas un juge. Puisque la fonction essentielle d'un juge, c'est pas précisément d'être impartial. Un juge partial n'a rien à faire dans l'institution juridictionnelle. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un juge partial en la personne du Conseil constitutionnel. C'est tellement énorme que on aurait du mal à le croire si on n'avait pas devant les yeux. Et, de fait, il suffit de se connecter sur le site officiel du Conseil constitutionnel, sur Internet, pour en avoir la preuve. Alors, je vais être un petit peu technique là, mais je vais simplifier les choses. Ensuite, bien sûr, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez. Le Conseil constitutionnel, en 2005, a opéré un revirement de jurisprudence dans le contrôle de constitutionnalité des lois sur un point précis qui nous occupe aujourd'hui. Jusqu'en 2005, il appréciait les griefs qui étaient présentés par les parlementaires requérants en ce qui concerne la normativité de la loi comme étant inopérante. Donc les députés ou les sénateurs le saisissaient en disant « Cette loi n'est pas normative. » Parenthèse, ce qui ne veut rien dire parce qu'une loi, par définition, est normative. Enfin, c'est ce qu'il prétendait. Et la réponse du Conseil constitutionnel, dans les décisions notamment de 2003, c'était de dire, mais puisque vous dites vous-même que cette loi n'est pas normative, je n'ai pas exercé de contrôle. Que moi, je m'occupe que des lois, donc des normes. Donc, votre grief le rejette comme étant, disait-il, inopérant, comme ne permettant pas d'exercer un contrôle de constitutionnalité. Et en 2005, à l'occasion d'une décision qui s'appelle Loi de programme et d'orientation sur la gouvernance de l'école, 21 avril 2005, le Conseil constitutionnel, tel que annoncé par son président d'évêque, le professeur Pierre Mazeau, le 3 janvier 2005, lors de la présentation des deux présidents de la République, a décidé, sans y être d'ailleurs autorisé par la Constitution, donc il a fait sa propre autorité en fait, en dépassant ses prérogatives, qu'une loi qu'il déclarerait non normative ne serait pas constitutionnelle et il s'autorisait donc à l'invalider, à la déclarer inconstitutionnelle. Cette décision est publiée sur le site du Conseil constitutionnel. Se brancher dans la requête. Nous avons fait d'ailleurs constater par huissier, nous avons deux constats huissiers. M. Apparmian l'a fait, lui, de son côté, dans le Conseil national. J'ai fait faire, moi, par au nom de requérants, notamment des premiers requérants, le commissaire prétorien et son épouse. Et ça, il apparaît très clairement. Puisque les huissiers ont pris soin de détailler, de décrire avec précision la procédure qui permet de se connecter au Conseil constitutionnel. En annexe à cette décision, il y a une brochure intitulée « Absence de normativité ou normativité incertaine des dispositions législatives ». Lorsqu'on se branche sur cette publication, on va tomber sur une liste de loi, selon le Conseil constitutionnel, ne serait pas normative. Et dans cette liste, précisément, va figurer la loi 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du justement. Donc, nous avons la preuve que le Conseil constitutionnel, sur son site officiel, a déjà condamné la loi de 2001. Puisqu'il la désigne, c'est une véritable mise à index, c'est ce que dénonçait mon père en
compte de bilan auprès de Jean-Louis Debré, et sur le Conseil constitutionnel. Cette loi est désignée comme étant normative, et nous savons que depuis 2005, cette décision, donc le 21 avril, une loi non normative est déclarée inconstitutionnelle. Or, deuxième décision, là encore dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est que, là, ça date depuis longtemps, bon, 1985 au moins, le Conseil constitutionnel, à l'occasion de l'examen d'un texte qui est déféré, comme là, dans la loi Boyer-Grigorian, peut se saisir de l'examen d'un texte antérieurement promulgué, éventuellement appliqué, lequel texte va être modifié ou complété par le texte objet de la saisine principale. Par exemple, là, dans la mesure où la loi votée le 23 janvier va apporter une protection par la loi pénale, va procurer le volet pénal complet, notamment la loi de 2001. Donc, en appliquant la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel, on sait que le Conseil constitutionnel, en examinant la loi du 23 janvier, va pouvoir examiner la loi du 23 janvier 2001. C'est d'ailleurs la menace que lançait Robert Badinter pour dissuader les parlementaires de voter la loi de pénalisation du négationnisme, en disant « Attention, si vous votez, prenez le risque de faire invalider également la loi de 2001. » Il avait raison sur la technique, mais pas sur le fond. Parce que il oublie de dire que c'est une nécessité de transposer la décision cadre, que cette loi du 23 janvier transpose partiellement la décision cadre. C'est une obligation constitutionnelle. Donc, il y a un des deux qui a tort. Celui qui a tort, c'est Robert Badinter. C'est pas la décision cadre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, il faut voir les choses en face, hein. Il ne faut pas se voler en face, c'est que le Conseil constitutionnel a d'ores et déjà une partie à condamner la loi de 2001. Nous savons qu'il a le pouvoir, puisqu'il se le reconnaît lui-même, il a le pouvoir d'invalider la loi de 2001. Alors, on va dire, mais que pouvons-nous faire? Apparemment, le Conseil constitutionnel est tout puissant, il s'autorise des pouvoirs que la Constitution ne lui reconnaît pas expressément. Véritablement, est-ce que nous avons pris la réponse? Bien sûr que oui. Il suffit de lire les textes. Article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Article 1er et 2 du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel. Article 1er. Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Article 2. Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil. Voilà les textes qui régissent les obligations des membres du Conseil. C'est du droit positif. Ils ne font d'ailleurs ces textes qu'appliquer une règle beaucoup plus générale et supérieure qui procède à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a la valeur constitutionnelle, qui dit que dans une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La règle d'impartialité procède directement de la garantie des droits précisée, consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Vous voyez que là, c'est précis,
Les membres du Conseil ne doivent prendre aucune position publique et ils ne doivent consulter en occupation sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part du Conseil. Et qu'a fait le Conseil? Qu'a fait le Conseil en publiant cette brochure, ces informations selon lesquelles la loi de Milan ne serait pas normative, donc serait inconstitutionnelle, sinon violée ouvertement, publiquement, et en le revendiquant d'ailleurs, puisque c'est sur son site, les obligations qui lui sont faites par des textes qui sont bien sûr opposables, et qui devaient respecter. La violation du devoir d'impartialité, elle est manifeste, et elle est publique. Mais pour être publique, elle n'est pas forcément sûre, parce que il faut prendre la peine de se connecter sur le site du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel vous a prévenu, vous a dit, vous savez ce que je vais faire si je suis saisi un jour de cette loi. Or aujourd'hui, il en est saisi incidemment, puisqu'il peut lui s'en saisir. Alors, moi écoutez, dans une situation comme ça, comme républicain, ça me choque effectivement qu'une institution de la République puisse être entachée d'une faute aussi grave. En tant qu'avocat, je n'ai pas ce genre de scrupules. Je suis mandaté. J'ai été mandaté initialement par 85 personnes. J'ai reçu plus d'une centaine d'autres mandats de tous les coins de France, même de l'étranger, qui n'acceptent pas les lanceurs en colère en disant c'est une honte ce qui se passe. Que le Conseil constitutionnel puisse dire à l'avance qu'il va invalider notre loi de reconnaissance. Laquelle loi avait transcendé la France? C'est la première fois au monde qu'un État va inaugurer une justice restauratrice de la dignité humaine. C'est ce que rappelait tout à l'heure M. Lafranc. Dans l'histoire du monde, jusqu'en 2002, ce n'est jamais une juridiction internationale qui a établi des faits. C'est toujours un législateur ou un organe qui tenait lieu de législateurs mondiaux. Ça a commencé d'ailleurs avec les Arméniens, avec la petite entente, cette célèbre, très importante déclaration de la Russie, de la France et de l'Angleterre du 24 mai 1915, où les trois puissances de l'entente dénonçaient les nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, en disant qu'elle tiendrait pour responsable les agents du gouvernement ottoman impliqués dans ces massacres. Ce qu'on fait trois puissances, c'est de dénoncer en flagrance le crime contre l'humanité. Le 29 janvier 2001, pour un minute temps, elle a fait quand même, la France va établir le fait imprescriptif. Et le 23 janvier 2012, la France apporte la protection de la loi pénale à la négation de la constitution du crime, donc contre le négationnisme. Voilà comment il faut apprécier cette chronologie. Parce que une loi, et ça on le sait même les Grecs, Portalis avait bien rappelé dans la présentation qu'il faisait du Code civil au début du 19e siècle, la loi, sa fonction, c'est notamment d'établir et de corriger. Établir, ça veut dire faire apparaître comme manifeste. L'historien ne peut pas établir. L'historien, il va faire un travail d'expert. Il ne peut pas rendre opposable. Il va dire, c'est mon appréciation à moi. J'ai fait un travail sérieux, certes, objectif, mais je ne peux pas officiellement vous convaincre de ce que de la véracité de mes dires. Moi, je sais en conscience que j'ai fait un travail objectif, mais ça reste mon travail. Il n'y a qu'un organe qui peut faire. Un seul organe peut établir juridiquement des faits et rendre opposable aux personnes placées sous la juridiction de la France après les avoir qualifiées. Cet organe, c'est le Parlement. Donc, quand la France a voté cette loi, que les parlementaires en aient confiance ou pas, peu importe, ils ont voté, ils savaient qu'ils votaient une loi, ils savaient qu'ils ne votaient pas une résolution. C'était une loi de la République. D'ailleurs, il est indiqué, comme sur toutes les lois, sur le décret de promulgation de la loi, le 29 janvier, cette loi sera exécutée comme loi de l'État. C'est une norme, cette loi du 29 janvier. C'est
C'est pas un acte symbolique. La France a établi le fait perspective du génocide arménien. Qu'on le situe en 1915, ou qu'en réalité, il prend naissance depuis 1894, ça fait rien. Parce que nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est une protection contre le négationnisme. C'est pas restrictif. C'est pas restrictif. C'est le 2 1914. C'est-à-dire que la France est avant ou après. Non, voilà. C'est mais c'est une appréciation générique. C'est de dire les Arméniens étaient victimes d'un génocide. On a retenu la date de 1904. Eh bien, on sait en fait que les massacres de Abdoulhamid étaient à caractère génocidaire. On sait très bien. Mais on a accepté comme ça, c'est quelque chose de fondamental ce qui s'est passé le 29 janvier 2001. Et on voudrait aujourd'hui anéantir, annihiler, néantiliser cette loi. On est de qui se moque. Dans quel régime vivons-nous aussi, hein? D'ailleurs, je vois que les élus brillent par leur absence. Les élus qui ont voté. Tous les élus sont invités, hein? Que ce soit sénateur et député. Donc, sur le plan juridique, les choses sont très simples, très claires. Nous avons une loi, la France a inauguré donc l'Arménien, a continué le 21 mai 2001. Taubira, qui d'ailleurs, curieusement, elle ne figure pas sur la liste rouge. Elle n'est pas désignée comme étant non normative. Pourtant, c'est le même mode opératoire, la déclaration. On ne peut faire que ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? La loi Taubira dit l'esclavage, la traite sont déclarés crimes contre l'humanité, ce qui est vrai. Elle ne figure pas dans la liste des lois non normatives. Ce que nous savons donc, c'est que et c'est là-dessus qu'il faut bien sûr réagir, parce qu'on ne peut pas rester passif, aveugle, sourd. C'est que le Conseil a déjà statué. Alors la question est de savoir, que pouvons-nous faire? Réponse, puisque le Conseil constitutionnel est un juge, appliquons la procédure qui existe en matière de... dans les cas où on a des éléments tangibles, qui établissent que le juge s'est déjà prononcé, donc il est partial. Cette procédure s'appelle la procédure de réculation. Je vais en parler, puisque j'en traite en dehors de ces cas. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. J'ai encore récemment fait invalider un juge, j'ai fait récuser un juge par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc ça se fait. Je ne fais pas de peur, c'est pas ça. Je ne prends pas un plaisir particulier. Je le fais parce que c'est mon devoir d'avocat de faire, je suis mandaté pour le faire. Je présente des preuves et c'est une autre juridiction qui va statuer sur ces éléments. C'est pas moi-même d'ailleurs qui prends la décision. Je donne les éléments qui permettent de la prendre. Là, la difficulté, si vous voulez, c'est que il n'y a pas de juridiction au-dessus du Conseil constitutionnel. En tout cas, pour prononcer la réclamation. Alors, eh bien, dans des cas comme celui-ci, on sait, puisque le texte français le prévoit, c'est en fait la juridiction qui va elle-même statuer. Et c'est ce que j'ai demandé donc, le 4 février dernier au Conseil constitutionnel de faire. Je leur ai dit en conscience, je vous mets devant les faits que vous connaissez, puisque c'est vous qui avez créé cette situation, c'est vous-même, Conseil constitutionnel, qui, en publiant ces informations, avez créé les conditions de votre propre invalidation. Vous êtes vous-même récusé, je vous demande eh bien, d'officialiser, de consacrer cette récusation. Parce qu'en conscience, les membres du Conseil constitutionnel seraient informés de cette requête. Je l'ai envoyé dès le 4 février, c'était par courriel, ça a été confirmé par le commandaire, j'ai reçu la première réception, donc officiellement le Conseil constitutionnel est saisi. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel devra informer chacun des membres, c'était son travail. Je vous dis publiquement, il doit le faire. Nous savons qu'il doit le faire. La question est entre les mains maintenant du Conseil constitutionnel, mais il me semble que si nous voulons donner du poids, du corps à cette procédure, parce qu'elle mérite, parce que c'est objectif, parce que c'est public, je crois qu'il faut en parler, il faut dire les choses. Il faut dire au Conseil constitutionnel, nous sommes désolés, mais en conscience, vous ne pouvez pas appliquer cette affaire. Vous êtes déjà prononcé. Vous avez tout fait
pour que vous ne puissiez pas aujourd'hui vous prononcer sur la loi de 2012 comme sur la loi de 2001, puisque ces deux lois sont dans une relation de connexité l'une avec l'autre pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Je précise que même sans remonter à la loi de 2001, le libellé de la loi de 2012, c'est-à-dire le fait, seul fait d'établir un génocide par la loi, est condamné, à tort, bien sûr, est condamné quand même par le Conseil constitutionnel. Donc, même la loi de 2012, il ne peut pas constitutionnellement la valider. Voilà pourquoi il m'a semblé nécessaire, je vous rappelle, j'ai été mandaté pour ce faire, de saisir le Conseil constitutionnel. Or, ce qui me semble maintenant particulièrement déplacé, c'est que non seulement les élus de la République se voient la face, font comme s'il n'y avait rien, comme si le Conseil était saisi d'une loi ordinaire, mais également une partie de la communauté arménienne, notamment le CCF, fait tout pour que cette procédure ne puisse pas aboutir. On a exercé d'énormes pressions pour que je ne lance pas cette procédure, sauf que Chapramé en a bien dit tout à l'heure, chez moi, ça a l'effet inverse. Plus vous essayez de me comparer, plus vous pouvez persister dans la voie que j'ai choisie, parce que c'est la voie du droit, tout simplement. J'ai été mandaté, et de façon nombreuse. Alors ça, je veux le dénoncer parce que c'est totalement normal. Ce que fait le CCF est une honte, aussi bien à Marseille qu'à Paris. C'est une honte. Ces gens devront rendre des comptes, quelle que soit l'issue, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Il faudra leur demander. Si je reçois des mandats tous les jours de personnes d'origine arménienne ou non arménienne d'ailleurs, c'est qu'elles ont le sentiment d'une véritable injustice qui est en train de se produire devant nous. C'est-à-dire que ce qui s'était passé en 1915 ou avant, devant les grandes puissances, est en train de se repasser devant nous sur le plan du négation. Ce n'est pas acceptable. Ou alors, on n'aurait rien à faire ici. Imaginez que nous ne fassions rien. Quel serait le jugement des générations futures? Elles nous demanderaient des comptes. Elles nous diraient, mais vous saviez, quand vous l'avez dénoncé, il y avait un avocat qui vous l'avait dit. Pourquoi n'avoir rien fait? Vous aviez les moyens d'agir, vous aviez les moyens du droit. Il y avait une procédure de récusation. Pourquoi n'avoir rien fait? J'ai encore en mémoire, c'est pour ça que je ne vous en parle. C'est public, je ne vous dirai pas. Un des avocats qui avait traité l'affaire Boutron. Eh bien, l'avocat du juge Burgot lui avait lancé cette pique en disant, mais pourquoi ne pas avoir accusé le juge? Pourquoi ne pas avoir fait une requête en suspicion légitime? Ça peut paraître. Il n'y a rien à dire. Parce qu'il avait complètement occulté ce pan de la procédure. Alors que c'était une cause gravissime. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu ce désastre si elle était correctement sur son travail. Alors, si vous voulez, ce reproche aujourd'hui, nous savons qu'on ne pourra pas nous faire. Voilà ce que nous avons donc détourné le cours de l'histoire, ou plutôt nous l'avons replacé dans le sens qui devait être le sien. On ne pourra pas, à nous en tout cas, nous faire le reproche d'avoir rien fait. Mais c'est à ceux qui ne font rien, qui persistent à ne pouvoir rien faire, il faudra demander des comptes. Et en demandant, puisqu'il s'agit de demander des comptes, il y a un article aussi important à connaître, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, dont procède notamment cette procédure d'accusation, c'est qu'il dit la société, en tant que la société civile, donc nous, a le droit de demander compte de son administration à tout agent public. Et tout agent public, c'est à la fois le Conseil constitutionnel, mais c'est à la fois les élus de la République. En disant, mais vous savez, puisqu'on vous dénonce, enfin, les sujets que vous avez sur le site du Conseil constitutionnel, pourquoi vous ne dénoncez pas? J'avais annoncé déjà il y a quelques semaines que j'avais demandé la réunion d'une commission parlementaire, d'enquête parlementaire, pour qu'on fasse un peu la lumière sur les motivations du Conseil constitutionnel. Qui a demandé? Qui a donné l'ordre? Est-ce que le Conseil, dans ces conditions, peut juger? Voilà ce que je vais le faire également. Prochainement, si nous étions nombreux, ce serait certainement mieux entendu également. Donc, si vous êtes face à une telle situation,
n'était pas plusieurs options. C'était où nous agissions selon le droit, ou nous ne faisions rien. Or, cette branche d'alternative était exclue, donc il fallait agir selon le droit. La voie de droit qui nous est offerte, c'est la voie de la réputation. Et n'importe quelle personne peut agir dans la mesure où il existe, dès que c'est public, dès que ça touche, en plus des droits fondamentaux, une action populariste, une action citoyenne, il va permettre à toute personne de dire « Je n'accepte pas que cette loi qui a été votée en public devant les électeurs puisse être jugée à huis clos par des juges partiaux. Je ne l'accepte pas. En tant que citoyen français, je ne l'accepte pas. J'ai le droit de concourir personnellement à la formation de la loi. J'ai le droit donc de concourir à la défense de cette loi. » Ce que nous faisons aujourd'hui, nous défendons la loi Boyer-Clairvoyant, votée le 23 janvier. Voilà comment il faut voir les choses simplement, juridiquement. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une véritable prise de conscience dans la population, au sein de la population française, et qu'elle transmette ce message auprès des membres du Conseil de l'Enchaînement en disant vous ne pouvez pas, en conscience et en application du droit, juger cette affaire. Voilà ce que j'attends. La seule décision conforme au droit serait que le Conseil constitutionnel dise nous nous abstenons, nous ne pouvons pas. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative de la décision. J'agis, moi, rapidement parce qu'il y avait une information qui circulait sur laquelle le gouvernement avait demandé l'urgence. Apparemment, cette information était fausse, puisque le Conseil a eu le statut dans les 10 jours. Aujourd'hui, nous attendons une décision pour la fin du mois, puisque le Conseil dispose de 30 jours. Et la question qui va donc se poser, c'est de savoir si le Conseil constitutionnel va statuer sur la requête. Il devrait le faire. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse du Conseil constitutionnel. Donc, je vous invite très fortement à diffuser cette information, c'est-à-dire la cause objective de qui a été d'ailleurs complété par un article du Canard enchaîné la semaine dernière par des causes subjectives, puisque le Canard dénonce la partialité de certains membres. Nous, nous dénonçons la partialité de tous les membres, puisque c'est l'institution qui est concernée. C'est une cause objective. Vous voyez que si le Canard fait bien son travail, puisque c'est communiqué la requête, il devrait en parler. S'il n'en parle pas, c'est qu'il estime ne pas avoir lui-même les moyens de traiter cette affaire, et je pense qu'à ce moment-là, il faudrait qu'il ferme boutique. Parce que s'il dénonce pas quelque chose qui est évident, hein, ça ne peut pas être plus évident sur le site officiel, alors c'est pas la peine d'être journaliste. Bon. J'avais terminé d'ailleurs mon propos de ce week-end lors de la conférence internationale que j'avais à Trieste sur le thème du génocide arménien et à l'initiative du ministère de la Diaspora. Sur cette question, sur la question de la partialité du Conseil constitutionnel, qui indispose beaucoup, mais qui doit trouver sa solution dans le droit, et la seule réponse, c'est appel à Kant une nouvelle fois, c'est cette formule latine, sapere aude, ça veut dire, et le courage de notre propre entendement. Alors, ayons-nous le courage de notre propre entendement, et faisons en sorte que les membres du Conseil constitutionnel et le président Sarkozy, eux-mêmes, et le courage de leur propre entendement. Merci de votre attention et je reste à l'écoute de vos éventuelles questions. Le rôle du président. Alors, rôle du président. J'en sais rien déjà. Président de la République. Alors, vous savez que j'ai écrit le 27 janvier au président Sarkozy pour lui demander, sans tarder, de promulguer la loi. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à lui tenir ce raisonnement qu'on vient de développer ensemble. Je lui disais, monsieur le président, regardez, allez sur le site, le conseil a déjà jugé. Donc, sa saisine, si elle intervient, était 4 jours avant la saisine. 31
Je lui disais, si jamais elle intervient, elle serait manifestement irrégulière. On ne peut pas saisir un juge pour qu'il vous donne raison. On ne peut pas saisir un juge qui est partial. Or, c'est ce qu'ont fait les sénateurs et les députés, que j'appelle légitimes. C'est ce qu'ils font. Ils saisissent le juge parce qu'ils savent que le Conseil constitutionnel va leur donner raison. Donc, j'ai dit au président de la République, en me fondant sur l'article 5 de la Constitution, qui le désigne comme arbitre institutionnel, comme étant le garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, comme étant le garant de la bonne application de la Constitution, je lui ai demandé de faire son travail. Je ne demandais pas un droit de bon, je demandais l'application de la Constitution dans des circonstances certes exceptionnelles, mais qui devaient trouver la solution dans le droit. Et il aurait pu dire, effectivement, j'ai le devoir de promulguer dans les 15 jours. Il y a une règle non écrite qui veut que quand des parlementaires se signalent comme étant requérants, voulant saisir le Conseil constitutionnel, le président ne promulgue pas. Et là, d'abord, au 27 janvier, il n'était pas saisi. Et en plus, il ne pouvait pas constitutionnellement le saisir puisque le Conseil s'est déjà prononcé. Donc, je vais faire mon travail et je vais promulguer. Eh bien, Nicolas Sarkozy, ce jour-là, a raté son rendez-vous avec l'histoire. Il avait l'occasion de se grandir, de tenir l'engagement qu'il avait contracté le 6 octobre 2011 à devant le président Sarkozy, devant la nation arménienne, devant la nation française. Eh bien, il a manqué à son engagement. Et ça, je ne l'oublierai pas. Je serai le rendez-vous. Quant au Conseil constitutionnel, puisqu'il est saisi officiellement d'une enquête en réputation, il doit se rendre à l'évidence en termes de moyens de problème. Nous ne pouvons pas juger. Je pense notamment parmi les membres du Conseil constitutionnel, il y a M. Guy Canivet, qui est ancien premier président de la Cour de cassation, haut magistrat. Est-ce que M. Canivet, s'il apprend, il est censé le savoir, puisque c'est sur le site officiel. Le sait-il? Je ne sais pas. Mais s'il apprend qu'il y a cette information, en conscience, vous pensez qu'il pourra, en tant qu'ancien premier président de la Cour de cassation, il pourra juger cette affaire? À lui voir, c'est lui la réponse. Bien, Ballinter est avocat comme. Comment se fait-il qu'il est contre cette. Parce qu'il est anti-arménien. Robert Ballinter est raciste. Pourquoi il est anti-arménien? Par définition, il est anti-arménien. Il connaît la loi quand même. Robert Ballinter ne raisonne plus là. Il est dans la passion, dans le viscéral. Il part du principe de l'unicité de la Shoah. Il n'a pas accepté, comme beaucoup d'autres juifs, ils n'ont pas accepté cette loi. Bon. Donc, il va se servir de l'autorité que lui confère ses anciennes fonctions, précisément le président, l'ancien président du Conseil constitutionnel, pour asséner des contre-vérités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il brandissait la menace de la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi de 2001 pour dissuader le vote de la loi de 2012. Ce qui est énorme, alors que c'est une obligation constitutionnelle de transposer. De cela, il ne parlait pas. Donc, c'est un mauvais juriste. Il a oublié le droit. Voilà. C'est quand même. Que se passera-t-il si dans les 30 jours, le Conseil n'a pas donné réponse? Alors, théoriquement, dans les textes, il doit rendre sa décision dans les 30 jours. Jusque-là, il n'y a pas de cas où il ne l'ait pas fait. Vous bien compris, nous sommes dans une situation particulièrement exceptionnelle. C'est totalement inédit. Je n'ai jamais vu une juridiction, notamment suprême pour l'organisation du Conseil d'État, sur son site dire bon, si un jour je suis saisi de tel cas, je vais juger comme ça. Et lui, il l'a fait. Et il l'a fait parce que c'est des gens qui ne sont plus dans l'application. Ils sont dans la passion, ils ont la haine de l'armée, il faut le savoir. Donc, ils veulent à tout prix invalider la loi de 2001. Alors, pour la prolongation de l'histoire, s'il arrive un jour que la France reconnaisse le génocide du Cambodge, ça fait déjà 3 génocides, est-ce que ça va atténuer plus ou moins? Mais il est probable qu'on ne va pas rester peut-être sur le génocide. Avec le temps et l'histoire, il y aura d'autres génocides à reconnaître ou exécuter
qui vont rentrer dans ce registre. Bien sûr. Alors la loi, cette loi ne peut pas être effacée. Non. Et de toute façon, ce que je vous disais tout à l'heure, ça a commencé avec les concessions. C'est dangereux parce qu'il n'y en a que deux et nous, on est derniers. Derrière ça, il n'y en a qu'un. C'est les armées. Oui, oui, c'est ça. C'est ça dangereux. La loi Guesso, elle est à part. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ce qui fait que si on transpose correctement, elle devrait être modifiée. Parce que la décision cadre protège déjà suffisamment les historiens de bonne foi. Que dit la décision cadre? Elle oblige à rendre punissable la poléogie, la négation, la banalisation grossière publique, les crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, dans un contexte où l'auteur incite à la haine ou à la violence. Bon, un historien qui fait son travail, un chercheur, un universitaire, ne peut pas revendiquer ce droit de trans à inciter à la haine ou à la violence, c'est pas possible. Donc, dans la mesure où il ne va pas le faire, il va faire correctement son travail, il est à l'abri de toute poursuite. Or, dans la loi Guesso, c'est pas ça. Le seul fait de contester la réalité des crimes nazis conduit de l'antidote correctionnel. Il va falloir harmoniser ça, il va falloir que la loi Guesso soit modifiée si on veut une transposition correcte. Mais, au possible, ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit, dans le cours de l'histoire, ce n'est jamais un tribunal, je crois, en 2002, qui a reconnu, qui a établi un fait. C'est toujours un ressort. Je commençais avec la déclaration du 24 1915. Nuremberg, par exemple, ce n'est pas le tribunal de Nuremberg qui a établi le fait. C'est l'accord de Londres, 8 août 1945, qui va créer le tribunal qui a établi le fait. C'est les quatre puissances victorieuses qui disent ce qui s'est passé sans le crime. Donc, le critère qui avait été retenu par le paragraphe 4, la décision 4, quand je demande l'invalidation, il est faux, parce qu'il est faux historiquement. À partir de 2002, c'est vrai, 1er juillet 2002, c'est l'entrée en vigueur du statut de Rome dans la Cour pénale internationale. Et elle va avoir compétence pour, véritablement, vérifier si les faits sont réels. Elle va établir. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée avant que d'éventuels crimes contre l'humanité interviennent. Cette chronologie est très importante à comprendre, parce qu'il y a une confusion totale entretenue par les textes, malheureusement, existants, et on sait comment ils ont été insérés, c'est parce qu'il y a des pressions de la Turquie, que la France, qui présidait l'Union européenne, a créé ce paragraphe 4 que la Cour de justice devra invalider. Donc, dans la mesure où la décision cadre n'a pas voulu choisir, elle dit, bon, il faudra rendre punissable le négationnisme. Oui, mais de quel fait? De quel crime? Elle répond pas. Elle dit, ce sera aux États à définir, eux, quels seront les crimes contre l'humanité qui seront placés dans le champ d'application de la décision cadre, donc de la loi pénale. Et la loi française, qu'elle fait? Elle dit, moi, je prends comme critère d'identification la loi française. Voilà. Je voulais vous demander aussi le fait que un député dernièrement ait osé prononcer le mot de fascisme, de crime contre l'humanité à l'Assemblée nationale, n'importe quoi, de l'eau à notre moulin, parce qu'il va être plus ou moins pénalisé ou puni à la prochaine ouverture de la session de chambre de la Chambre. Le fait qu'un député. Le député noir là, qui a pris la parole, qui a parlé de mon nazi, de mon détermination et tout ça, ça prouve quand même à qui vis-à-vis de voilà. Ah oui, après la polémique contre le procureur, après la polémique contre le journal esclavage, vous en avez parlé la semaine dernière, il y a 8 jours. Oui, Claude Guéant a dit qu'il y avait Oui, mais il va être puni par la Chambre. Il va être au tribunal entre députés. Même, ça porte quand même un peu de liste ou bien de loi dans son moulin, quelque chose, d'avoir rien de prononcer ses mots dans un lieu aussi sacré que. Normalement, vous savez que les propos au sein de l'Assemblée sont couverts par l'immunité. Oui. Sauf si l'immunité est levée. Mais bon, c'est un peu annexe, ça. C'est que il y a un chapitre dans lequel on oublie toujours. Dernièrement, j'ai eu un livre dans les mains où
l'association des médecins arméniens du temps des génocides ont fait un rapport dans lequel il est stipulé que donc on a toujours parlé que de couper des têtes, de tuer les hommes, d'assassiner les femmes et les enfants. Il a été donné ordre pendant la guerre de 1918 de répandre la maladie du typhus et autre chose à des soldats, à des Arméniens, de façon de ne pas les guérir, mais de les laisser mourir. Et même de prendre le sang de quelqu'un qui en a, de le donner à l'autre pour pouvoir dire sur la route qu'il a fait partir et crever. Il y a eu un problème comme ça, il y a un petit livre qui est apparu avec le nom des médecins, avec les noms des personnes qui ont participé à ces. À ces non, tout à fait. Non, mais la question du génocide du peuple arménien, c'est une question très complexe parce que tout a été fait. Là. Donc, quand on parle de survivants aujourd'hui par rapport à nous, aujourd'hui, véritablement, on sait de quoi on parle. Moi, je tiens quand même à préciser une chose. Il ne faut pas nier le combat de notre côté. Notre combat, on doit le mener, et on ne le mène pas seulement pour le peuple arménien, on le mène aussi pour tous les autres peuples. En particulier, bon, tout à l'heure, avant qu'on puisse débrouiller une intervention qui est arrivée prochainement, on ne travaille pas seulement pour nous. Non, on travaille de ne pas parler de ce. Alors, de ce chapitre qui est en haut, dans les listes de nos. Non, ça, rien de. Alors, il faut quand même commencer à comprendre. Vous avez un Conseil national. Ce Conseil national travaille jour et nuit. Rien ne restera dans l'ombre. Absolument rien. On a fait déjà d'énormes investigations, on en fait encore. Concernant le génocide, rien ne restera dans l'ombre. Concernant les conséquences et les réparations, rien ne restera dans l'ombre. Aujourd'hui, le combat doit se mener sur le plan juridique. On voit bien, et d'ailleurs, je fais appel à la solidarité, pas seulement communautaire, solidarité nationale, mais que nos compatriotes comprennent une bonne fois pour toutes que ce n'est pas en faisant des tractations qu'on réglera la question arménienne. La question, et on le voit bien, puisque aujourd'hui, d'emmener la question arménienne sur le plan juridique pose des problèmes à nos propres compatriotes, on voit bien qu'il faut dépasser ce stade. Ça suffit. Ça fait un siècle qu'on subit, nous, ce manque du fait qu'on n'a pas été au bout de la procédure. Pardon ? Au bon moment. Au bon moment. Donc, et vous vous rendez compte, on a la possibilité en plus, on a la possibilité, parce que le droit nous donne cette possibilité aujourd'hui, d'emmener, d'avancer, de faire des pas sur lesquels on n'est pas là. Donc on ne va pas. Notre problème, ce n'est pas de dire c'est nous les premiers, c'est nous les derniers. Ouais, je vais vous dire, ce n'est pas compliqué. Si on n'a pas un expert avec nous, eh bien, on marche sans lumière. On ne sait pas où on va. Il y a un tunnel, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas le bout du tunnel. On a donc besoin de la conscience des gens. L'expertise, c'est une conscience qui nous permet de nous illuminer, de nous éclairer un petit peu. Donc, pourquoi chercher à modifier les choses? On doit dire les choses clairement, justement. Et puis, de toute façon, on a besoin de tout le monde. On n'a pas. On a besoin des gens, on a besoin des jeunes qui sont là pour réunir du monde, qui sont là pour pouvoir physiquement avoir une présence et montrer qu'on est tous solidaires. Et puis on a besoin des consciences pour nous permettre de voir plus clair dans notre travail. Ça serait ça. L'inverse est affreux. J'aurais deux questions. Les simples citoyens que nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider les uns et les autres? Première question. Deuxième question, c'est sans chercher à polémiquer, quel est l'intérêt du CCF ou de nos soi-disant dirigeants de notre communauté
de pas aller dans le sens, dans le même sens. Alors, concernant la première question, le mandat, c'est pas rien un mandat. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour le mandat? Vous savez, concernant le procès de Lucha, on a riche là. On a demandé mandat. C'est-à-dire que moi, j'ai, à l'époque, on avait édité un document qui a été signé par plusieurs centaines de personnes pour supporter, pour faire cette démarche au niveau de la Cour. Et ensuite, on verra, j'espère, avec notre historien, si, en fait, il y a une recevabilité, comment on va pouvoir l'approfondir. Rien n'est fini. Donc, vous pouvez dire. Ah, ben, les organisations communautaires sont contre la procédure de Djoura ou Nakhitchevan. Les organisations communautaires sont contre une saisine du Conseil constitutionnel pour préserver la loi de reconnaissance. Les organisations communautaires sont contre tout, alors. Et ben, moi, je vais vous dire, en Artsakh, le fait qu'on n'a pas été au bout du travail qu'on devait faire sur place. Aujourd'hui, on en supporte les conséquences. Je vais vous dire, les Arméniens d'Azerbaïdjan, qui auraient dû, depuis 1994, faire une procédure à l'encontre de l'Azerbaïdjan, parce qu'ils ont été déplacés par centaines de milliers. Aujourd'hui, on en subit les conséquences. Et vous voudriez que nous, avec l'expérience qu'on a, avec le tout ce qu'on a vécu durant 35 ans, vous voudriez qu'on fasse pas attention à tout ça. Vous voudriez qu'on n'emmène pas au bout et qu'on défende pas le bout, parce qu'il nous reste plus que ça à défendre, si vous réfléchissez bien. Qu'est-ce qui nous reste de tout ce qu'on a vécu? On avait une nation, on avait un État, on avait une culture, et effectivement, on avait aussi une civilisation. Donc, s'il vous plaît, il faut avoir quand même un peu de conscience et savoir que les moyens juridiques, il est temps que les Arméniens, premièrement, soient sensibles. Deuxièmement, votre mandat est un acte politique aussi. Alors, bien entendu, il y a des très grandes personnalités, et un jour ça sera, qui ont appuyé cette démarche. C'est un acte politique. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas, on va dire, communiqué. Ce n'est pas grave. Il faut le savoir. Aujourd'hui, la participation, elle peut être par des mandats, elle peut être. On a besoin, nous, de vous expliquer ce qu'on fait. Pourquoi on a besoin? On pourra le faire sans vous l'expliquer. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous. Les gens ne sont pas tellement demandeurs, en réalité, puisque c'est nous qui sommes et les organisateurs et ceux qui réalisent, et les réalisateurs. Pourquoi on a besoin de partager avec vous? Parce que on a une conscience différente de notre travail. On a une conscience différente de notre position. Souvent, Maître Grégorian me le dit. Pour moi, le métier d'avocat, ça consiste pas seulement à être un administrateur. Ou, comme on l'a dit, une personne qui fait des papiers. Le métier d'avocat, c'est aussi un métier pour aller au-devant des gens, puis pour essayer d'expliquer les choses. Si le Conseil constitutionnel est un avis de la loi, est-ce qu'il y a une autre possibilité de recours au niveau européen? Alors, si le Conseil invalide la loi, ça veut dire que soit ils n'auraient pas tenu compte de la requête en accusation, ça veut dire qu'on n'aurait pas suffisamment parlé, soit qu'en y répondant, ils ont trouvé le moyen de poursuivre son travail de vie. Alors, dans cette hypothèse, moi je l'ai annoncé déjà, je saisirai la Cour européenne des droits de l'homme. Je serai en mesure de faire parce que j'ai utilisé toutes les voies de recours internes, c'est la condition de recevabilité sine qua non, pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme en disant je me suis adressé à la seule juridiction qui existait, c'était le Conseil constitutionnel lui-même. Je
la preuve, c'est des faits. Voilà. Ceci dit, parallèlement, c'est pour ça que, en fait, je suis serein, moi, sur le plan de... Je suis contrarié, si vous voulez, par l'attitude imbécile de certains de Français d'origine arménienne. Bon, je suis contrarié aussi par la passivité des élus de la République. La dernière réunion ici, c'était il y a, je sais pas, jour, c'était une honte, mascarade. Jean-Claude Gaudin, comme ça, dans le plus pur des fétides, dit, bon, vous savez, la loi, elle est par terre, hein, c'est fini. Mais que faites-vous, monsieur Gaudin, pour alerter l'opinion sur ce que, sur ce dont nous parlons aujourd'hui? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous êtes sénateur, vous pourriez le dénoncer. Allez sur le site internet, vous verrez la preuve, alliez la preuve, une preuve objective, ça. Ce n'est pas inventé. Ça a été constaté par deux huissiers, indépendants l'un de l'autre. Hein? Alors, que font nos élus actuellement? Ils ne font rien. Ils ne remplissent pas leur mission d'élu. Je suis désolé. Et ça, c'est à nous de dénoncer. Le droit, c'est chacun de nous. Ça commence par la conscience, le droit. Et c'est une relation entre la conscience de l'individu et l'institution qui a le seul pouvoir de rendre opposable la règle. Voilà. Et si nous restons, nous, passifs, c'est pas les autres qui vont le faire. Nous sommes quand même, les Arméniens sont quand même un peu plus concernés que les autres Français sur cette question. Donc c'est un peu à nous d'être la locomotive. Est-ce que, avec plusieurs premières, nous essayons de faire, hein? Bon. Donc, parallèlement, pourquoi je suis serein sur le plan politique? Parce que cette loi, et c'est pour ça que je revendique sa paternité, je la défendrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je finirai le travail que ne font pas nos parlementaires. Elle est issue des procédures que j'ai lancées depuis plus de 12 ans, et dans toutes les juridictions, et la dernière en date devant le Conseil d'État. Elle part de là. J'ai demandé au Conseil d'État, voilà, il y a une décision cadre, hein, vous voyez, c'est obligatoire de contrôler. On est d'accord? Bon. C'est une obligation même constitutionnelle. Comme le prémisse ne fait rien, alors, vous allez lui donner injonction de le faire. La question est posée comme ça. D'ailleurs, Sarkozy a indiqué que, en cas d'invalidité, si la loi était invalidée, il dépose un texte. Moi, la question que je pose, je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire de mieux? Parce que si il m'enlève le critère d'identification de la loi, c'est plus loi, elle ne me concerne plus. Nous avons une loi de reconnaissance. Le génocide, il a été établi juridiquement par la loi française du 29 janvier 2001. Or, le Conseil dit, je ne veux pas de loi non normative. Je ne veux pas de loi qui reconnaisse les génocides. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'en veux pas. Si vous maintenez ce membre de phrase, si vous maintenez ce concept, un génocide reconnu par la loi française, quel que soit le texte, soit une proposition de loi, un projet de loi, je l'invaliderai, c'est clair. Voilà. Alors moi, je dis, un juge qui se comporte comme ça, comme je dis d'abord, ben je dis, la seule sanction, c'est qu'il s'abstient, il ne peut pas juger. C'est lui qui crée les conditions de sa propre sanction. À lui, à assumer sa responsabilité, pas à nous. C'est pas notre responsabilité, c'est sa responsabilité. Donc, ce que va faire Sarkozy ou rien, c'est pareil. Je ne crois rien. Il avait un travail à faire. Il peut d'ailleurs nous le faire. Il faut lui rappeler. Aujourd'hui, il peut transposer quelque, malgré la saisine qui est manifestement inconstitutionnelle. Le mot important, c'est manifeste dans l'histoire. Parce que le caractère manifeste d'un fait, d'un acte, vaut jugement provisoire. C'est pour cette raison qu'il avait l'obligation de promulguer la loi. Et si ensuite les gens voulaient faire un procès, s'il y avait des poursuites contre un négationniste, à ce moment-là, le négationniste, il aurait fait éventuellement une QPC. Mais le devoir du président, c'était de promulguer. Alors, si la loi est invalidée, tant pis. Nous continuerons devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État devra dire au Premier ministre, mais vous devez transposer de telle sorte que en France, notamment, le négationnisme puisse être adéquatement réprimé par le droit pénal. Et il faudra bien qu'à un moment donné, on dise, mais alors, de quel génocide parlons-nous? Comment allons-nous l'identifier? Or, en 2001, il y avait une loi. Et cette loi, le vote de cette loi, on ne peut pas faire qu'il n'ait jamais existé. Donc, il faudra retourner aux critères d'identification par la loi. Exactement. Donc là, il faudra être nombreux. Je vous inviterai être nombreux à intervenir dans cette procédure. Vous pouvez faire d'ores et déjà, d'ailleurs. Le mandat est sur mon site. Hein. Oui, s'il vous plaît, pourquoi pensez-vous que Sarkozy n'a pas profité de la présidence
parce qu'il a fait, comme il fait depuis le début, hein, il joue donc un jeu diplomatique, on doit faire un double jeu. Hein, devant le président Sarkissian, devant la nation arménienne, la nation française, il va dire qu'il faudra aller plus loin, il faudra légiférer. Il donne effectivement une impulsion, c'est pour ça que Valérie Boyer a pu, à partir de mes travaux, déposer sa proposition de loi. Il fait croire aux Arméniens qu'il va faire en sorte qu'il soit voté. Et Parlement idiot turc, bon, ça a été voté, un conseil, activez un peu vos réseaux, et saisissez le conseil constitutionnel. Voilà. Ben moi, chez moi, ça passe pas, ça. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à cette... Personne ne s'attendait à cette réaction de l'autre part. Il s'en fiche, regardez l'attitude du CCF. Le CCF attend que la loi s'invalide. Il a signé une loi, on sait ici, puisque Valérie Boyer est venue se plaindre auprès de moi, que le CCF de Marseille faisait pression pour qu'elle retire le texte. Hein? On est d'accord. Elle s'est plainte. C'est pour ça que notre cause, elle n'a jamais avancé. Après le CCF a voulu récupérer l'affaire, a prétendu dans l'invitation qu'il avait donnée pour le 24 janvier que c'était son travail. Alors là, j'ai dit non, je suis désolé, c'est pas ce texte-là. Vous avez certainement travaillé à côté. Pas ce texte-là, je suis désolé. Et aujourd'hui, ils font des noms, mais c'est les responsables du CCF de Marseille. Ils sont pas là tant pis pour eux, mais je leur dis en face aussi. Hein. Bon, je leur écris même d'ailleurs. Mais c'est celle de Paris, c'est pareil. Dorignan, Bourat-Papazian, bon. Ils attendent que la loi soit invalidée. Ils le font, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils font est pire, si vous voulez, c'est que ils prétendent avoir des négociations, mais avec qui? Ah, voilà. Interdit auprès du juge, donc, influencer le juge. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans une république bananière. Tout à fait. J'appuie ce que dit Maître Dorignan, puisque on m'a téléphoné directement. En me disant, ne bougez pas, nous avons des négociations secrètes. Donc, il faut comprendre. On a grandi. Les négociations secrètes avec qui? Avec les membres du Conseil constitutionnel qui nous donnent les noms. Parce que là aussi, ça peut faire l'objet d'une autre procédure. Bien sûr. C'est interdit de faire ça, on ne peut pas. Mais nous, ce que nous faisons, c'est l'application du droit. Nous disons, respectueusement au Conseil, nous avons le plus grand respect au Conseil constitutionnel, et nous disons, attention, nous sommes des citoyens, chacun de nous est une conscience. Et donc, il a conscience aussi de la juridicité de son action. Vous ne pouvez pas juger cette affaire. C'est l'application des textes que j'ai cités tout à l'heure. Jean Jurani. C'est faux, ça. Ça encore, c'est la poudre aux yeux. Parce que la loi Guesso, c'est pas compliqué. Là, on en a la preuve encore. Le 7 mai 2010, la chambre criminelle à Cour de cassation, qui avait reçu une QPC contre la loi Guesso, a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Donc, elle a verrouillé la protection. La loi Guesso est à l'abri. Les victimes des crimes nazis et leurs descendants n'ont pas de souci à se faire. Ils sont protégés par la loi pénale. Et vous voyez entre nous, vous voyez le Conseil constitutionnel valider la loi Guesso. Ouais. Il faut être sérieux. Hein? Les hommes de souverain. Oui, mais elle est à l'abri, et donc ça, si notre loi, elle est invalidée, eh bien ça va aggraver, bien sûr, cette discrimination. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter, plus que ça, les autorités de l'État. Alors, concernant la Cour européenne des droits de l'homme, je vais vous signaler que le Conseil national appuiera Maître Picorian dans cette démarche.
le transfert sur la, à la Cour européenne des droits de l'homme de ce dossier, ce que je faire, n'est pas une démarche négative. Bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir entamé une procédure dès maintenant va nous permettre à nous, si nécessaire, d'aller très loin, d'aller au plus loin, et pas comme on a essayé de me faire croire, et en plus par écrit, puisque quand on parle du CSAF, et là je dénonce particulièrement le message, l'appel qui a été transmis à travers toute la France, comme quoi le CSAF pourrait, si la loi n'était pas adoptée, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, et bien là, on se moque de nous. Alors, par contre, ils pourront le faire avec nous, s'ils le souhaitent. Parce qu'il aurait fallu qu'ils fassent comme nous, dénoncent d'abord les faits, ils épuisent les voies de recours internes, ils ne le font pas. Vous voyez, donc ce manque, c'est l'amateurisme de leur part. Alors, s'ils ne sont pas juristes, ils portent la tâche avec les juristes, et qu'ils laissent faire ceux qui sont censés savoir, quand même. Hein, moi, ça fait quand même quelques années que je m'occupe de ces questions. Mais on a besoin, de toute façon, c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. L'équipe manque, elle doit être dans la position, même dans notre position, sur le plan électoral. Moi, je n'ai pas de mot d'ordre. Hein. Chacun est libre de savoir. C'est très important, ça aussi. Moi, je sais comment je dois faire. C'est important. Bon. Non, c'est important. Ce que mon propos, c'est simplement une question de justice. Oui. La loi, d'ailleurs, c'est un acte de souveraineté, de raison et de justice. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser faire. Ce que je souhaite, c'est qu'une prise de conscience chez nos concitoyens, soit d'origine arménienne ou pas, et de dire, vous ne pouvez pas constitutionnellement juger cette affaire. C'est vous-même qui avez créé les conditions de votre mobilisation. Ça fait une dimension nationale, dans votre cas, et internationale. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez oui, bien sûr qu'on pourrait. Bien sûr qu'on pourrait. Alors, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Manifestation. Manifestation. Oui, bien sûr, il faudrait manifester. Ça concerne tout le monde. Ça peut pas être. C'est aussi une réponse à votre proposition. Parce que, je vous dis, on va avoir deux points. On va en parler, ça, on va approfondir la question vague. Est-ce que le Conseil constitutionnel a une obligation de la réponse à la situation premièrement, et le débat de comment manifester le fait qu'il va s'en sortir. Alors, première question, la requête, la récusation est prévue expressément en matière de QPC. Un QPC, c'est question prioritaire de constitutionnalité. C'est cette procédure qui permet de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée, appliquée, puisque à l'occasion d'un procès. Donc, par exemple, s'il y avait un négationniste accusé de négationnisme devant le tribunal correctionnel, il pourrait contester la constitutionnalité si la loi n'a pas déjà été déclarée constitutionnelle. Bon. Donc, dans ce cadre-là, c'est prévu. Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel le prévoit. Mais ce règlement, ce n'est pas lui qui l'a décidé. C'est que l'obligation d'impartialité est une exigence absolue du juge. Or, c'est ce que je prouve dans la requête. Nous n'avons pas l'équivalent du règlement pour le contrôle a priori. Mais comme Synaction popularise, toute personne peut contester. Et s'il fait son travail correctement, s'il est conscient de son statut, le Conseil constitutionnel devrait nous répondre. Et s'il ne nous répond pas, il faudra que nous compensions ce déficit en termes de juridicité par une médiatisation. Puisque c'est le canard enchaîné qui dit
dans ce cas-là, il dit ah, mais déjà, il y a M. Hennel, qui est un des membres du Conseil constitutionnel, qui a déclaré qu'il allait s'abstenir. Il n'a pas le droit. Si, si, il peut le faire. Oui. Donc, il n'a pas le droit de dire. Non, mais, parce que le canard là, a fait son enquête. Oui. Nous, on n'a même pas besoin d'enquête, c'est public. Lui a fait une enquête. Lui, c'est des causes subjectives. Il dit, Hennel, il a déjà participé aux travaux, etc. Alors, Hennel dit, bon, je vais m'abstenir. Donc, s'il déclare lui-même, ça c'est public, c'est dans le canard de 8 février, hein, bon, il va s'abstenir. Ça veut dire qu'il s'applique à lui-même cette exigence absolue d'impartialité. Donc, il confirme notre requête. Donc, ça veut dire qu'elle s'applique. Donc, si lui, il se l'applique, le conseil constitutionnel devrait nous répondre. Deuxième question, la normativité de la loi. C'est une ineptie. Parce qu'une loi, c'est l'acte du Parlement qui a été délibéré sur un sujet précis par les deux chambres. Par définition, c'est une norme. Mais normativité ne signifie pas nécessairement constitutionnalité. Là où le Conseil constitutionnel commet un non-sens, c'est qu'il fait une confusion entre la normativité qui est l'essence même de la loi et la constitutionnalité qui est de nature accidentelle. Si on reprend la classification des Grecs. L'essence, c'est permanent. Par définition, c'est a priori, comme dirait Kant. La constitutionnalité, ça dépend, puisque c'est un rapport, la constitutionnalité, entre la loi qui est une norme et une norme supérieure qui est la constitution. Ça, on a décidé dans la constitution que c'était le travail d'un organe juridictionnel, en France le Conseil constitutionnel, dans d'autres pays le Cour suprême, de vérifier si la loi est conforme à la Constitution. Et on ne lui a pas donné condition de dire si la loi était normative ou pas. Ça n'a pas de sens, puisque la loi est nécessairement normative. Voilà ce contresens, et qui est tourné spécialement contre nous, parce que comme par hasard, cette jurisprudence nouvelle de 2005 vient après 2001. Hein, par hasard. Donc tout était préparé. Comme par hasard, absence de normativité, c'est en annexe 1 à la décision du 21 avril 2005. Comme par hasard, il y a la loi de 2001 dans la liste rouge. Ça fait un peu beaucoup de coïncidences. Bien. Dernière question. C'est passé là. Moi, quand même, on remarque que la classe politique est plus encore. Très favorable quand même à ce on hésite entre tout sur la justice, c'est pas établi. Et même s'il n'y a pas de doute, il y a bon, en gros la page, il faut pas. Il n'y a pas que des raisons économiques, il n'y a pas que des raisons électorales, il y a des raisons aussi doutes. Nous sommes les responsables. Nous sommes responsables, c'est juste. Il y a toujours un fond de racine, si vous voulez. C'est notre responsabilité. Les connaissances, non, parce que maintenant, il y a suffisamment de moyens pour s'informer. Laura, etc. Bon, c'est quand même une intellectuelle. Il faut être intellectuel et pas intelligent. Ils sont orientés, ils ne raisonnent plus. Tous les journaux, il y a peu de journaux. Mais il faut les dénoncer. Selon le dire des Arméniens, selon le dire des parce que voilà, pas fait de pédagogie. Parce que ni l'historien ni le journaliste ne détiennent de vérité officielle. Il n'y en a qu'un dans un État qui peut rendre opposable un fait, c'est le Parlement. Ça, c'est prouvé, je veux dire. Non, c'est pas soviétique. Ça a été débattu sur des rapports d'experts internationaux indépendants. Vous voyez pas que le Parlement, un jour, il s'est levé, il dit, tiens, on va reconnaître le génocide arménien, ça n'est pas fait comme ça. Ça a été précédé de plusieurs actes de reconnaissance. Le Parlement européen, c'est quand même un organe de l'Union européenne, et pas des moindres, qui représente les peuples européens.
Pourquoi? Vous pensez qu'il aurait reconnu? Le juge suisse, le juge fédéral suisse, il n'a même pas eu besoin de loi. Il dit il y a un consensus pour dire que les faits sont qualifiables de génocide. La conséquence de la reconnaissance du Parlement européen vient. Il faut les dénoncer, ces gens. Il faut les dénoncer. En réponse aux actions donc, de la Zala, ouais, qui a eu dans les années 70-80. Alors, malheureusement, on a, au niveau de l'horaire, on est presque arrivé au bout, il nous reste une minute ou deux. Je tenais tout d'abord à applaudir Maître Krikorian. On sera toujours là. Pour finaliser, je voudrais vous expliquer où on en est. Je prends 5 minutes pour vous expliquer où on en est. Demain, on part à Genève pour, au niveau de notre délégation pour intervenir dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais notre problématique, c'est de transmettre un message à certains États. Je vais vous lire mon message. Bien entendu, ça va être difficile pour vous immédiatement de l'apprécier ou de critiquer, mais dans tous les cas, sachez où on en est par rapport à ce travail-là. Donc, Genève, donc, ça sera le 14 février, requête adressée à M. Abdullah Gül, président de la République de Turquie. Copie conforme transmise au président de l'Assemblée générale des Nations Unies, au membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, au haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au président de la Croix-Rouge internationale et aux membres de la Ligue des États arabes. Objet. Demande d'application du droit d'asile de la République de Turquie pour les réfugiés déplacés du Moyen-Orient en cas de conflit armé. Je vais vous expliquer pourquoi. Les réfugiés sont des personnes qui ont traversé une frontière internationale et qui risquent d'être persécutées ou ont été victimes de persécutions dans leur pays d'origine. Monsieur le Président, Abdullah, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur l'état actuel du droit international humanitaire. 3 ans auparavant, le 60e anniversaire des conventions de Genève, fut l'occasion non seulement de se remémorer les progrès réalisés depuis 1949, mais aussi de mieux évaluer les défis qu'il nous faut relever aujourd'hui et demain. Je constate que la nature, les causes et les conséquences des conflits armés ont évolué au fil des ans et que la communauté internationale devrait être prête à anticiper les nouveaux besoins en matière de protection des victimes de conflits armés. La population syrienne, dans sa très grande majorité, est autochtone au Moyen-Orient. Et comme vous le savez, les problématiques qui touchent les populations autochtones traversent souvent les frontières d'État. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi majeur qui est de préserver la paix au Moyen-Orient. Et la coopération dans tous les domaines entre les représentants des peuples autochtones et les États est le socle pour préserver cette paix. Les conséquences à ce manque de prise en considération et de conscience de la situation internationale conduiraient à des conflits armés internationaux dont on ne maîtrise pas l'ampleur. Néanmoins, devant ce manque de coopération dans tous les domaines et la montée en puissance des risques de conflits armés internationaux sur le territoire de la Syrie et qui s'étendent aux États voisins, et dans le souci permanent de protéger les populations civiles qui risquent d'être sujets à une véritable explosion des violations du droit humanitaire et à des déplacements forcés. Des personnes déplacées, populations autochtones, contraintes de quitter leur foyer et leurs terres, risquent d'être privées de leurs moyens de subsistance. Il se peut qu'elles vivent isolées et dans les zones plus peu sûres. Il se peut qu'elles soient victimes de violences, recrutements forcés dans les forces armées, viols, voire meurtres. Il se peut qu'elles soient séparées de leurs proches. Les personnes déplacées qui ont fui sans documents attestant leur état civil, risquent d'avoir des difficultés à accéder aux services sociaux ou à se déplacer librement. Le développement du droit s'impose donc pour assurer notamment la préservation de l'unité familiale ou l'accès des personnes déplacées aux documents nécessaires pour qu'elles puissent jouir de leurs droits. Le sort des personnes déplacées peut être encore exacerbé lorsque leur déplacement perdure et qu'elles ne peuvent ni retourner chez elles, ni dans les lieux de résidence habituels, ni trouver une autre solution durable. Il se peut que leurs biens aient été détruits ou pris par d'autres, que leurs terres soient occupées ou rendues inutilisables du fait des hostilités et qu'elles craignent des représailles une fois de retour chez elles.
l'intégration des personnes déplacées dans la communauté où elles ont trouvé refuge risque, elle aussi, d'être problématique. Actuellement, le droit conventionnel international en vigueur ne contient pas les dispositions nécessaires pour traiter de toutes ces questions. Le droit humanitaire devrait ainsi élaborer des mesures permettant aux personnes déplacées de retourner dans leur maison ou lieu de résidence dans des conditions satisfaisantes. Aussi, et relativement à la situation générale, je sollicite votre bienveillance, Monsieur le Président, la possibilité de prendre en compte l'application du droit d'asile et des conditions correspondantes en République de Turquie aux populations autochtones qui risquent d'être persécutées ou ont été victimes de persécutions sur le territoire syrien en cas de conflit armé, avec bien sûr tous les textes juridiques correspondants. Donc voilà où nous en sommes aussi au niveau du Conseil national. Nous avons, en parlant de personnes, de peuples autochtones, une partie de ces peuples autochtones sont des Arméniens qui viennent eux aussi de Cilicie ou d'Arménie occidentale. Et nous demandons donc officiellement à la Turquie, à la République de Turquie, d'accueillir sur le sol de la République de Turquie ces populations autochtones. Alors, elle le fait déjà, enfin, elle l'annonce aujourd'hui, parce qu'il y a un article qui est paru il y a à peu près une quinzaine de jours, expliquant que les Arméniens d'Arménie occidentale ne peuvent plus retourner en Arménie occidentale. Et aujourd'hui, elle a avancé dans cette position-là. Mais c'est à nous aussi de pouvoir être un intermédiaire entre un État. Je vous en parle parce que, en l'occurrence, on avait pris la décision, enfin, il y a une décision quand même, de ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Turquie, même de notre part. Il se trouve que, aujourd'hui, certaines conditions vont devoir, et pour le bien de nos populations, vont devoir nous demander de changer un petit peu de position et de statut. Alors, je souhaitais vous en informer. Sachez-le, c'est un dossier qui va partir dans la semaine. Et que notre objectif, c'est non pas ce qui est chez les anciennes populations, chez tous les civils, le moins de morts possible, qui sont en train de s'activer. Voilà, je tenais à vous remercier de votre patience. Et j'espère que donc, on pourra vous retrouver donc, prochainement pour vous expliquer, vous approfondir les avancées par rapport aussi au Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Bonjour, au revoir.